Là, vous êtes des privilégiés. Vous voyez le film avant tout le monde, puisque ça ne sort que le 10 octobre. Et comme il n'y a pas encore vraiment de publication d'articles, personne ne vous a dit ce qui va arriver et personne ne vous a dit ce qu'il faut en penser. Vous êtes libre. Voilà, je vous offre 6 ans de ma vie. Pourquoi les malmettes, ils enlèvent les petites filles? Pourquoi les malmettes enlèvent les petites filles? C'est la question qui me fait peur. Oh, c'est très difficile de répondre à cette question. Il faudra la reposer de temps en temps. Mais je vais essayer de dire quand même deux mots. Il y a des hommes qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, et pour se rassurer, ils font du mal à des gens plus faibles qu'eux, plus faibles d'une certaine manière. Les hommes ont plus de muscles que les femmes, ou des muscles durs, mais ils vivent moins longtemps que les femmes. Et il y a des hommes qui profitent de leur force par rapport aux autres pour leur faire du mal et se rassurer. Et c'est une chose horrible, et je fais le film pour qu'on arrête de faire ça. Non, je n'ai pas eu de mal à écrire le scénario, mais en effet, il est différent de mes autres films. J'aborde le sujet un peu plus franchement que d'habitude, la défense des femmes et des filles. D'une part, donc, cette défense exprimée un peu plus clairement que d'habitude. D'autre part, j'avais choisi Paris en 1900 à cause des jolis costumes, mais en me renseignant, je me suis aperçu que les jolis costumes, c'était totalement secondaire. C'était une période sensationnelle, avec une civilisation brillante, active. Et à partir de 1900, il y a vraiment des femmes au premier plan. Donc des hommes et des femmes ensemble. Et ce qui fait que c'est un film différent. Ouais, alors justement, je voulais vous demander ça. Par rapport à la photographie au sein du film d'animation, on n'a pas l'habitude forcément de cette esthétique que là, on découvre dans ce essai. Moi, je trouve ça vraiment super beau, mais toutes les photos, c'est vous qui... Enfin, oui, oui, j'ai pris Paris pendant 4 ans, avec plaisir. Bravo. Oui. Magnifique. Des petits-enfants, qui parlent très bien, j'en ai rencontré plusieurs. Ils ne savent pas parler, on ne leur a pas appris à parler mal. Et c'est étonnant de voir ces petits bouts de choux qui s'expriment bien, qui sont bien élevés. Et j'ai pensé à en faire un. D'abord, c'était un petit garçon. Ensuite, c'est devenu une petite fille parce que c'était la défense des petites filles. Donc, ce petit caractère, un enfant très jeune qui parle comme un académicien, ça me plaisait. Et là, même aujourd'hui, les académiciens ne parlent pas aussi bien que Dilili. On a bien répété, reprononcé, pris le temps de prononcer, et on est allé à la chasse de toutes les liaisons qu'on ne fait pas. Et là, elle les fait toutes. Et alors, peut-être elle est un peu trop loin. Il y a des gens qui sont gênés, c'est curieux. Parce qu'elle parle très bien, ils sont gênés. Ils trouvent que c'est pour les bébés, mais pour un adulte, ce film n'est pas supportable. Alors, quand j'ai décidé de faire Paris et 1900, je me suis dit, oui, mais en 1900, il n'y a que des blanchâtres dans toute la ville, et ça ne me plaît pas, et ça ne va pas plaire à une partie de mon public. Parce que je veux que dans mes films, il y a quand même une petite représentation du monde. Et à Paris, en 1900, on venait un peu partout du monde, mais du monde occidental. Alors j'ai trouvé, grâce à Toulouse-Lautrec, Chocolat pour l'Afrique et Randolph Barman pour la Chine, même s'il venait pas de Chine et Chocolat pas d'Afrique. Et puis je me suis dit, je vais faire venir quelqu'un de Nouvelle-Calédonie, comme ça, ça fera mon héros. Doit être une petite fille, si on défend les petites filles. Et si c'est une étrangère avec un œil neuf, c'est encore mieux. Et j'ai compliqué les choses en faisant une métisse, qui est encore un autre problème ajouté à tout. Et je pouvais la faire venir. D'une part, c'est à cause de la vie de Louise Michel,
qui déportait au bout de la terre, au lieu de piétiner les gens qui semblaient être encore plus bas qu'elle, elle a continué son métier d'institutrice et elle a appris à lire et à écrire à des petits canaques. Alors je me suis dit, donc il y a des petits canaques qui parlent français. D'abord, je ne me suis pas tellement méfié de la Belle Époque, et en me penchant sur la Belle Époque, je me suis aperçu que c'était un moment sensationnel, du talent à tous les coins de rue, ou du génie. Et c'est venu très bien en contrepoids de la peinture des hommes qui se tiennent mal envers les femmes et les filles. Et je montre deux manières de faire. Il y a une manière où la moitié de la population piétine l'autre, et une manière où on a ouvert toutes les fenêtres, on travaille ensemble, on crée, on fleurit, on se parle, on fait du bien aux autres, et je préfère la deuxième version. Et avec la description de tous ces gens sensationnels qui ont existé et qui continuent de faire du bien, je célèbre notre civilisation qu'on a attaquée et que je veux défendre. Mais tout ça a été écrit avant les horreurs qu'on a faites ces dernières années.